Et rebonsoir, nouvelle VOD, deux parties, troisième partie de placement sur le rôle de tank, cette saison. Donc ce qui est assez drôle en fait, c'est que toutes les personnes qui sont disponibles sur vocal m'ont répondu quand j'ai dit bonjour, mais seulement à l'écrit. Ça veut dire que j'ai beau avoir personne avec qui parler, j'ai trois personnes qui m'écoutent. C'est peut-être le plus important finalement, parce que... Hop, prends la position haute. Les placements sont un peu chelous, hein. C'est sûrement pour ça que ça marche moyen dans un premier temps. Oh, notre Zen a pop-off. Oh, notre Zen a pop-off. To push. Derrière. Lucio. I'm running on point. Mais ça passe pas, ça passe pas. Je sais pas si je donne des mauvaises directives ou si ou si on joue juste de manière très synchronisée. Bah tu vois là notre chopper il pop off, mais on n'est pas du tout tous sur le point, loin de là. En fait là le problème de cette game c'est que comme à d'autres games que j'ai déjà eu, notamment la première, je me fais pilonner par un chacal de ces grands morts. Et à Stello, les chacals ils se font pas contrer, tout simplement. C'est très désagréable en tant que tank d'affronter une situation pareille. J'ai un peu à l'agression pour Zarya. Ça alors. Oh j'ai un host. Bah ça je m'y attendais pas. Bah installez-vous. Ça fait vraiment très 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 plaisir. J'ai été surpris. Ça m'a détourné du jeu l'espace d'un instant. Et bah c'est une belle surprise. Allez. Bon, alors c'est un petit peu compliqué. J'ai l'esprit qui divague. Il va falloir qu'on arrive à toucher le point, c'est la priorité pour l'instant. Allez, allez. On a un chacal qui va peut-être tenir le coup jusqu'au point. Ah, ça par contre c'est un problème. Ouf, j'ai failli pas le voir celui-là. On a un placement sur le point, il y a peut-être quelque chose à faire. Merci pour le follow. Yeah. Pouh, vous m'avez donné de la force, c'est formidable. Si c'est comme ça, est-ce que c'est mieux? Oh merde! Ah oh bah ça m'apprendra. Bon, eh, un pour un. Le Reinhardt il a fait une petite folie, il a vu que je faisais des réglages, il s'est dit... Attentat suicide, basiquement, c'est ça que ça veut dire. J'espère que je vais pas me faire bannir de Twitch pour ce propos-là. Mais c'est concrètement ce qui s'est passé. Bah merci beaucoup à Noah une fois de plus pour le host. Ça fait vraiment très plaisir de démarrer comme ça. Sur ce, on est quand même en partie compétitive sur mes placements, donc je vais essayer de rester bon esprit et surtout me concentrer sur le jeu. Je crois que je t'ai pas vu, toi. Ils font des choses un peu téléphonées à Stello. Hein. On n'est pas sur du giga haut niveau. Ce qui me profite, mais ce qui me rappelle aussi, qui me ramène aussi à ma triste condition de joueur casu. Voilà. C'est ça. C'est... Pour resituer les choses, j'ai pas pu faire grand chose de mon année pour plein de raisons, comme tout le monde. Et là,
vous regardez jouer un papier rouillé, en quelque sorte. Hein. Et là d'ailleurs, la grenade aura raison de moi. C'est pas grave, j'ai pilonné comme pas possible. 80% de capacité ultime. Ça va nous donner toutes les opportunités de recap. Bon, ok. Là, ils ont tout balancé. Il n'y avait rien à faire. On va juste reculer, attendre et réengager. Ok, go forward. Well done. Vous sûr? Well done. On a mis du temps. On a mis du temps pour reprendre ce point, mais on l'a fait dans les règles de l'art. Et ça, maintenant, ça va juste être quelque chose qu'il va falloir protéger. Notre Pharah va peut-être nous sortir une dinguerie, ça ferait vraiment plaisir. Je vais essayer d'être attentif à tout ce qui se passe. Et je vois venir hein, le chopper qui a envie de me prendre moi ou un de mes alliés pour me mettre dans le vide. Et ça, ça craint sévère. Et ben voilà, j'avais dit que ça craignait, ça craint. Ils sont à 85%. Si une partie de notre équipe reste en vie et conteste un peu le point, j'aurai le temps de revenir avec Orisa. Avant qu'il ne gagne le round. Pour faire valoir ma capacité ultime en désespoir de cause. Même si là, c'est compliqué. Hein. Ah merde, je suis pas... Je suis foutu. Non ! Ah, c'est dommage. On est sur les ruines. Ça va être un peu compliqué de faire valoir la Orisa là. Et en même temps, est-ce que j'ai une meilleure option? C'est chaud, hein. On va tenter le Reinhardt. Sauf qu'il joue uniquement un chopper, l'autre ça m'arrange pas des masses, tu vois. Allez. Ok, alors. Je vais essayer de rester devant mon Torbjörn. C'est quand même un perso particulier. Rare. Et avec une tourelle qui bouge pas beaucoup, donc autant la protéger. Faut pas que ça nous empêche de prendre position sur le point, ceci dit. Au final, on n'a pas tiré une valeur ajoutée considérable de cette action. Pour me replacer. Le problème c'est que j'ai quasiment pas de... Non. Non. C'est pas trop qui suivre. Ok, on a un entry pick. C'est peut-être quelque chose à faire. Ouais, eux aussi ils en ont un. Bon. Ok, ils ont quelqu'un de l'anneau. Ça craint. Oh, il me saoule avec son chacal, lui. Aïe 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 aïe. J'ai pas trop d'idées de pistes à suivre, hein, à part les battre aux capacités ultimes, hein, mais globalement ils ont toujours eu une meilleure économie que nous. Ok, là on a tout claqué, on est obligé d'avancer. Oh merde, je suis debuff. Je suis pas d'une grande aide à mon équipe. Hein. Aïe 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 aïe. Oh non, tout le monde meurt.
Ça va pas du tout. Oh non, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Théoriquement, le Reinhardt sans Aria, ça peut être méta ces derniers temps. Ça peut le faire, mais là, je me coltine vraiment un chopper avec moi. De ce point de vue-là, je sais pas trop quoi faire en termes de combo, si tu veux. C'est pas évident, évident. C'est ma quatrième game de placement en tank. On va rejoindre le vocal pour voir si les gens ont des choses à dire, si on peut donner des directives, plutôt en recevoir, parce que je me positionne de façon très humble. C'est le cas de le dire, hein, ma cote elle risque d'être bien bien humble, hein, pour l'instant c'est deux défaites pour une victoire. Je pique Zarya, hein. Pour l'instant c'est ce perso là qui m'a donné le plus de réussite, mais en même temps j'étais avec un DPS bien carry, peut-être un smurf d'ailleurs. C'est pas quelque chose que j'exclus. Parce que c'était le seul à vraiment communiquer, à avoir une vraie intelligence de jeu. Et nous apporter. Ça arrive, hein. Mais là je suis confiant, tu vois, je la sens bien cette game, je vois une composition qui a quand même une autre gueule que ce à quoi on m'a habitué, donc oh non. Bon bah ça arrive, hein, c'est juste la... C'est juste l'Orphara qui a tué... Ah bah voilà! Notre écho lui a rendu la monnaie de sa pièce. Ah ouais, on la touche peut-être un peu fort. Hein. T'es sûr? Ok. J'ai eu le cri à distance, c'est formidable. Oh. On a un membre émérite des Daft Punk dans la game, ça fait toujours plaisir. Rain. Bap. Ok, bah ça marche, ça se fait. Oh fuck. Keep us alive, get on point. Fighting. Oh non. Mais comment ça se fait qu'on ait pris aucun kill là-dessus? Mais... J'ai perdu des DPS ou... Bon, eh, franchement on a tout notre temps. Hein. Le seul souci c'est que j'ai pas tiré de value de ma graviton. Ça me pose problème. Get on top. Je sais pas si le mec a oublié de désactiver son modificateur vocal, mais... Oh. Bon, comment dire? Et j'ai pas changé beaucoup de grave avec tout ça. Il faudrait se focus sur une vraie stratégie parce que là ça ressemblait plus ou moins à rien du tout. Ok, we got one. Be careful. Now we drop. Je cherchais des alliés en danger à Bubble. Finalement, c'était moi le plus en danger. Allez, il y a peut-être quelque chose à faire là. Rain. Thank you.
Agréable. Well done. Bon, on n'a pas une time bank d'enfer, mais... ouais. J'ai un Reinhardt un petit peu audacieux, on va pas se mentir. Oh, je lui en veux pas, hein. Après tout, il a pas trop non plus, hein. Mais... J'aime autant, tu vois, me retrouver avec un DPS platine et un main tank gold plutôt que l'inverse. C'est con à dire, mais... Bon, les tanks font tous un peu n'importe quoi, que ce soit moi ou les autres. Et c'est les DPS qui clutchent à cet élo-là, hein. On va pas dire le contraire. Hein. On va repartir sur la même chose, hein. On prend les mêmes et on recommence, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me backseat un petit peu si vous avez de meilleures astuces, hein, franchement. Be careful, Rain. Y'a trop de choses à l'écran. Bon. C'est pas un travail de frontline exemplaire, pour le moins. Là, on s'est fait détruire. Bah c'est plutôt du bon taf ça. Bon, c'est un premier push d'encaisser ça, c'est pas mal. Bon par contre là... je sais pas ce que fait notre rain encore mais... On va tellement mourir. Bah j'avais dit qu'on allait tellement mourir. Oh ils ont tout balancé. Même une grave au spawn. Et par contre personne va toucher le point là. Mais non. Je pense que même si j'avais switch sur ball ça n'aurait pas suffi. Hein. Et ils ont tout balancé d'un coup et ça a marché. C'est du snowball pur et dur. Allez maintenant on se concentre sur l'attaque. On a beaucoup moins de temps que les zigotos d'en face. Grâce à leur snowball formidable, alors qu'on a pas spécialement moins bien joué. En défense, on a peut-être pas très bien joué. Mais bon, on n'a pas un Reinhardt très défensif, je sais pas si vous avez remarqué. On a perdu notre BAP. C'est une bonne manière de démarrer ça, hein. Je sais pas ce qui se passe dans notre backline, mais on a un raid de pêcheux dans l'équipe adverse depuis tout à l'heure. Moi je m'en occupe pas parce que j'ai mis à foutre en frontline, mais c'est une catastrophe. Tout bonnement. Je vais même pas switch parce que si quelqu'un peut toucher, c'est pas moi. Et je peux pas. Donc, que veux-tu? Voilà, bon. On n'est pas non plus sur du round miraculeux, mais... Je suis pas hyper confiant, je vous cache pas, pour la suite des événements. On ne peut sécuriser que le draw et il faut défendre plus de 4 minutes avec un Reinhardt complètement fou. Voilà. Il fonce, hein, il lève jamais son shield. Je sais pas pourquoi il s'avance autant, lui, mais... Toute l'équipe le suit et c'est pas forcément une très bonne chose. Donc dans cette petite arme, on chope un kill en s'en vendant quelque chose parce que... Comme ça par exemple. Typiquement. Eh bah non, bah oui, mais non, mais il fait quoi lui aussi? Personne ne me soigne. Personne ne me soigne. Personne ne me soigne. Tout le monde est mort. On s'est tous laissé avoir par le chacal. Bon bah c'est perdu. C'était pas une mauvaise game, hein, mais...
un peu faussé par... Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon bah c'est là-dessus que se termine cette game, hein. On observe Hanzo en train de nous donner le point. C'était au tout début, c'était à la fin de notre premier round d'attaque. J'arrête la VOD ici et je la reprends un peu plus tard.